Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la patate. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo. Alors j'ai pas vraiment l'habitude de faire ce genre de vidéo, j'en ai même jamais fait sur ma chaîne un peu des vidéos frayeurs. Puisque vous savez très bien que Rockstar ont caché pas mal d'easter eggs de fantômes sur GTA 5, et là du coup il y a une petite rumeur qui tourne en ce moment un petit peu à travers le monde et surtout aux États-Unis, comme quoi il ne faut surtout pas jouer à GTA 5 à partir de 3h du matin. Donc 3h du matin heure de GTA 5, pas 3h du matin heure française, ça n'a strictement rien à voir, puisqu'apparemment il y aurait des esprits et des fantômes qui apparaisseraient et du coup il y aurait des bruits assez effrayants, etc. Du coup je pense qu'on peut mener notre petite enquête à ce niveau là, voir s'il y a vraiment quelque chose. Donc comme ça, si vous voyez les vidéos chez les Américains, vous savez que c'est un petit peu vrai ou un petit peu faux. On va faire un petit peu le point, comme ça on verra si c'est vrai ou si c'est faux. Donc avant, je vais vous passer un court extrait d'une vidéo de la fameuse rumeur de la personne qui a tout simplement aperçu cet esprit, si on peut dire ça comme ça, même si ça reste seulement un bruit. Donc je vais vous passer le court extrait et on en reparle juste après. Voilà, j'espère vraiment que vous vous êtes concentré sur le bruit qu'il y a eu au moment où Franklin s'est tout simplement approché de la plage, de la mer, et il était approximativement 3h du matin. Un sorte de bruit assez terrifiant est apparu, une sorte de personne, une sorte de respiration, comme si c'était quelqu'un qui était là, mais quand il regarde autour, il y a bien évidemment personne. Donc au fond, on peut entendre le bruit d'une voiture, mais ce n'est pas du tout ça que je veux parler. Du coup, il s'est rendu tout au nord de la map, donc c'est exactement ici. Donc c'est ce qu'on va faire, on va s'y rendre à pied avec notre petit Justin Bieber. Donc comme ça, si jamais il y a un screamer qui apparaît ou un fantôme ou quoi que ce soit, eh ben il va avoir peur en même temps que moi, puisque moi j'ai un petit peu horreur de ça. Mais je trouve ça sympa de pouvoir vous faire ça. Donc du coup on va le faire. Après je pense pas vraiment qu'il va y avoir de screamer qui va apparaître. Le seul fantôme que je connais qui est sur GTA 5, c'est celui du Mont Chiliad. Et encore, je ne l'ai jamais vu. C'est seulement des photos que j'ai pu voir. Alors du coup le seul problème, c'est qu'avec le nouveau mode graphique que je me suis installé juste avant de faire cette vidéo, donc c'est un petit peu con, c'est que la nuit on voit absolument rien, puisque c'est comme si on était vraiment la nuit. Et comme vous voyez bien, il n'y a aucune lumière aux alentours, donc forcément on va rien voir. Donc j'ai installé des spots de lumière un petit peu partout, histoire qu'on puisse voir quelque chose. J'ai aussi mis de l'orage avec des éclairs et du tonnerre, histoire que ça fasse un petit peu de lumière en plus, puisqu'à 3h du matin, vous allez le voir, il fera totalement nuit et il n'y aura vraiment absolument rien. On verra absolument rien. Regardez, déjà à 23h, on voit absolument rien. Alors à 3h du matin, je vous laisse un petit peu deviner ce qui va se passer. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2h40. On va descendre de la voiture avec Justin Bieber. Hop là, on va attendre que l'heure passe. On va se mettre une petite lampe et on va tout simplement écouter ce qui va se passer. On va voir s'il y a moyen d'entendre quelque chose, de voir quelque chose. Donc c'est de la totale improvisation, je sais pas du tout s'il y a un screamer qui va apparaître, un fantôme ou quoi que ce soit. Donc si vous êtes une âme sensible, bah, ne vous concentrez pas trop sur l'écran quand même, histoire que vous fassiez pas une crise d'épilepsie, ça serait vraiment dommage. Donc du coup là il est 2h52, on va faire comme la personne sur la vidéo que je vous ai montré au début. Il s'est approché de la plage, il a regardé l'heure. Voilà, il s'est approché normalement. Là je peux entendre le vent. C'est assez sinistre. On écoute maintenant. J'entends l'eau couler, j'entends l'orage aussi. Après, je sais pas si le fait qu'il y ait l'orage, ça va changer quelque chose. Attendez. On va essayer d'entendre comme ça. Là, j'entends l'eau. Est-ce qu'on pourra entendre la même respiration qu'on a pu entendre dans le court extrait de la personne ?
C'est assez sinistre de rien entendre comme ça. C'est assez flippant en plus. Il fait totalement. Oula! Ouh! Oh, j'ai eu une frayeur là. J'ai cru qu'il allait tomber dans un trou, mais non, en fait, c'est tout à fait normal. Ah, on entend le bruit de voiture au fond. Est-ce qu'on va entendre le bruit de la respiration? C'est assez flippant d'être comme ça. Imaginez-vous un petit peu dans la vie IRL, vous retrouver au bord de la mer comme ça avec du noir et entendre une respiration assez flippante d'un seul coup. C'est assez sinistre, ça fait vachement flipper. On va regarder niveau du sol s'il y a quelque chose, à part des poissons, il n'y a pas grand chose. J'ai mis des spots, hein, comme je vous l'ai dit, pour faire de la lumière, sinon on voyait rien du tout, mais vraiment rien de rien. On va aller sur la sorte de petite... la grosse... Ah, là on n'entend plus rien du tout. Ah, mais tu peux garder la lampe dans ta main, s'il te plaît? On va aller là-bas, on va voir s'il y a quelque chose. S'il y a moyen de pouvoir entendre quelque chose. À part les vagues qui s'éclatent sur les rochers, j'entends absolument rien, je vois absolument rien. C'est assez sinistre. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, je sais pas si vous flippez en même temps que moi devant votre écran. Mais l'avoir comme ça dans le jeu et être directement sur une vidéo, c'est pas pareil. Vous concentrez pas trop sur la vidéo, on sait jamais ce qui peut apparaître. J'ai pas envie que vous fassiez une petite crise d'épilepsie. Hein. Voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais bon, apparemment, il n'y a rien du tout. Enfin, du moins pour l'instant, il n'y a absolument rien. On va se balader encore un petit peu là-bas. On va se balader par là. Hop là, on va sauter dans l'eau. Ah, là il est quelle heure? Parce que là on commence à voir un petit peu mieux. Il commence à être 4h du matin. Et pas de signe d'un moindre fantôme, d'un moindre esprit, absolument rien. Donc après je sais pas vraiment si cette vidéo c'est du fake ou si c'est pas du fake. De toute manière c'est un petit peu le principe de s'amuser à chercher pour voir s'il y a vraiment quelque chose. Et de flipper rapidement ensemble si jamais il y aurait eu quelque chose. Mais apparemment il y a absolument rien. Donc impossible de prouver que cette vidéo est fake, impossible de prouver que cette vidéo est réelle. Donc après vous pouvez vous-même faire le test sur GTA V en mode solo, sur votre PS4, Xbox One, sur votre PS3, Xbox 360 ou même sur PC comme moi je viens de le faire. Et si jamais vous constatez quelque chose, bah dites-le moi. Voilà, tout simplement, comme ça au moins on aura la preuve qu'il s'est passé quelque chose. Ou sinon dans le cas contraire, bah c'est qu'il s'est absolument rien passé. En tout cas pour l'instant il s'est rien passé. On verra, bah non, le soleil est en train de se lever, donc l'esprit ne reviendra pas. Enfin bref, c'est assez bizarre. Mais en tout cas, le son de la personne qui respire est bien présent sur la vidéo, donc je trouve ça vraiment très très bizarre. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir. Il y a pas mal de rumeurs qui tournent au niveau des fantômes, des secrets, etc. Donc si ça vous intéresse et que cette vidéo vous a plu, peut-être que je pourrais en refaire. Moi je trouve ça assez intéressant et en même temps ça vous permettra de flipper en même temps avec moi. Dites-moi en tout cas si ça vous intéresse et si vous avez des petits secrets de fantômes comme ça qu'on pourrait voir ensemble. Ça pourrait vraiment être sympa. En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Virtuose. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez bye tout le monde.